Grand Sam Scratchy, achetez-le. Scratchy. À moitié prix. Excusez-moi, gros monsieur, vous mangez notre monde, là. Eh, tu ressembles au lapin du bouquin où il y a une fille qui s'appelle Alice et qui va au pays des merveilles. Comment il s'appelle, ce bouquin? Ah ouais, Blanche-Neige et les sept idiots. Pour votre information, je suis le lapin chocolat blanc. Eh, le chocolat blanc, c'est pas du vrai chocolat. Il y a presque pas de cacao dedans. Si je n'étais pas du vrai chocolat, vous n'auriez aucune envie de me dévorer. Du chocolat blanc. Allez, Tombo, vas-y! C'est le roi des morceaux de chocolat!
du chocolat. C'est pas un rêve, c'est pas un rêve, c'est pas un rêve. Pinaise, c'était un rêve! Pourquoi la vie est aussi injuste? Tout ce que je demande, c'est pouvoir manger tout ce que je vois et me transformer en boule géante. Saloperie de réalité! Salut, vendeur minable. Un exemplaire de Grand Theft Scotchy, s'il te plaît. Désolé, monsieur, ce jeu est interdit aux jeunes. Ok, Doc, j'ai ma carte d'identité. C'est une carte de fidélité de mangeur de pizza chez la calzone de Cal. C'est une calzone gratuite pour toi à l'intérieur. C'est encore jamais arrivé. Wow, les ados sont débiles. Bart, qu'est-ce que tu fais près d'un magasin de jeux vidéo? Oh, t'as acheté un jeu? J'ai entendu parler de ce jeu. C'est le jeu où on incarne un méchant délinquant qui doit tuer d'autres jeunes délinquants. Je vais ranger ce jeu dans le tiroir où ton père met ses magazines de bikini et où sont cachés tes jouets confisqués. Ouh, super. Maintenant, je peux plus jouer à rien à part au jeu que j'ai acheté hier, mais j'en ai déjà marre. Les Simpsons, le jeu? C'est bizarre. Le seul Les Simpsons, le jeu que je connais, c'est celui où on fait semblant de croire que Pan n'est pas alcoolique. Alors, c'est quoi ce truc? Attends une seconde. C'est le manuel d'un jeu qui se passe à Springfield. Et pas est dedans. Wow, maman aussi. Ah, même Lisa? Qui voudrait la prendre comme perso? Wow, je suis dans le jeu. Je me demande ce que je suis capable de faire. Sauter, flotter, et faut que j'essaie. C'est le meilleur bouquin qu'on ait jamais écrit. Ouh, regarde ce qui vient d'atterrir dans mon tiroir magique. Hey, qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Si tu veux rentrer à la maison comme ça, c'est pas la peine. Bah, je suis un super-héros maintenant et j'ai plein de pouvoirs géniaux. Des super-pouvoirs? C'est une bonne chose, je suppose. Je voulais aller enquiquiner des chauves-souris et mater des magazines de bikini dans cette cave. Tu veux venir?
loup t'est traîné dans le coin. Rappelez-vous les gars, on est là pour piquer des trucs, pas pour apprendre. Ne lisez pas les panneaux, ne regardez pas les expos, restez concentrés. Allez, viens, sortons de là et partons à la recherche d'une situation que seuls mes pouvoirs peuvent rétablir. Lenny aurait besoin d'un coup de main, c'est qu'il a un gros futon. Attends, peut-être que je devrais empêcher ces brutes de cambrioler le musée. C'est le vengeur noir après tout. Alors ça, mon petit bain, papa arrive et te laissera plus jamais partir. Bart, c'est pas poli de grimper sur les murs. Et puis tu vas mettre tes empreintes partout.
ces vieux os ont été plantés dans le sol par Dieu. Une blague cochonne. C'est rigolo, une blague cochonne. Toi, t'es une blague minable. Bienvenue à Springfield, dans le musée d'histoire de l'homme. Je devine une brèche dans la sécurité du musée. Une brèche importante. Je n'aime pas trop l'autorité, c'est bien. Abandonnez maintenant et personne ne sera blessé psychologiquement. En garde, je viens de libérer la bête qui sommeille en moi. Mais oh, t'as votre compagnie en plastique. Ok. Enfin. Notre premier diorama présente la vie de nos ancêtres. Une des caractéristiques qui a rendu les premiers humains uniques est l'apparition des mains à quatre doigts que nous connaissons aujourd'hui. À mon tour. Après la fin de l'Ancien Romain, le Moyen-Âge était une époque très dangereuse. La conquête de châteaux ennemis était très à la mode. Si vous ne conquériez pas les châteaux, vous étiez un perdu. Génial! Nous continuons notre visite avec l'histoire de Jebediah Springfield, le noble fondateur de Springfield. Selon la contre-enquête de Lisa Simpson, le père de notre ville était en réalité un pirate assoiffé de sang, mais juste je viens de... Ok. Papa, mais efficace. Votre fin est proche. Même râle, je suis plus drôle que vous. Oh, j'avais misé 20 billets sur le garde. Moi, j'aurais bien aimé que mon père m'emmène dans des bagarres. Oui, un souvenir. J'espère que Karma va pouvoir ça. Oh, ils deviennent de vrais guerriers si vite, nos petits garçons. C'est moi. J'espère que les caméras de surveillance ne vont pas filmer ça, pas.
La prochaine fois, vous réfléchirez à deux fois avant de faire n'importe quoi. Soleil, masse de gaz incandescent. C'est moi. Je fais du stop. Mercure a été nommé ainsi en hommage au dieu romain de la lune. Génial. Les effets nuages qui enveloppent Vénus entraînent un effet de serre qui maintient la planète à environ 500 degrés toute l'année. Je me demande quelle planète a des toilettes. J'ai une mission urgente. C'est parti. Si vous pesez 90 kg sur Terre, vous allez en faire 35 sur Mars, en raison de la plus faible masse de la planète rouge. Partez là! Une ceinture d'astéroïdes sépare les quatre planètes inférieures du système solaire des cinq autres planètes. Ma ceinture, à moi, permet à mon pantalon de rester en place. Les sept anneaux de Saturne sont composés de milliards de particules de glace, un peu comme le cœur de mon ex-femme. C'est ça l'espace intersidéral? Mais alors où sont les fourmis géantes de l'espace? Des orages ininterrompus, balayent la surface de Neptune. Je te ferai un petit café, moi. Ça fait des heures que je déclame mon texte. Je vais te faire vaidinguer de ton orbite. Désolé, Jimbo, mais on ne peut pas te laisser faire ça. La seule planète qui n'a pas été encore étudiée par une sonde spatiale. Car elle est inintéressante. Ainsi donc, dame destinée accorda à Jimbo un f... Arrête de m'énerver avec tes vols planés et tes tirs de fronde. Nous sommes juste des hommes de main. Skinner nous a engagés. Le principal Skinner? Ouais, c'est moi. Pardon. Oui, non, c'est moi. Moi. La municipalité a tellement réduit notre budget pour les sciences que je me retrouve obligé d'aller voler des objets au musée. J'ai jamais entendu un plan aussi diabolique. C'est comme si Vic Mackey faisait un bébé avec un Cevita. Quelle horreur! Le coccyx de ce dinosaure pourrait donner envie à toute une génération d'élèves de s'intéresser à la science. Mais je ne me fais plus d'illusions. Désolé, hein. On aurait pu arriver plus tôt, mais c'est à cause de ma pie. Il y a une Elton Avenue au nord et une autre au sud. Pas facile de trouver la bonne. Voilà une leçon à retenir, Skinner. Avouer un crime ne sert à rien. Bouclez-le, chef Wiggum. Je sais très bien que je dois le boucler. C'est pas gentil de m'enguirlander pour ça.
Je crois que je vais adorer me servir de mes super pouvoirs. Allez, Homer, et surtout, souviens-toi, il ne faut pas mâcher. Mâcher, c'est pour les nuls. Faut avaler direct, faut avaler. J'espère gagner. L'année dernière, j'étais le premier à dégobiller. S'il te plaît, ne parle pas de vomi. Dans le métier, on appelle ça un incident à la romaine. Ah ouais, ça fait plus classe. Mais pourquoi que tu t'inquiètes? T'as des pouvoirs de jeux vidéo pour t'aider. C'est presque de la triche, mais... C'est de la triche. Wouhou, de la triche. Guffman vous souhaite la bienvenue au concours de bouffe suprême d'œuf. Je t'ai dit, mon futur triomphe à feu, ma mère bien-aimée. Elle a fait une attaque pendant un concours de bouffe de haggis. Oh, récupérare mi dignidad. Grande faim, grande responsabilité. Messieurs, préparez votre appareil digestif. À vos marques, prêt, pas frais. À vos marques. Prêt, bouffez. Allez, on s'arrête. C'est le collage faible. Du gâteau asiatique. J'étais tous les mangeurs de végénites. Allez, je fais l'identité d'un gros bouffeur. Ça peut valoir dans les cimetières. Tu vas apprécier ta défaite, grenouille. L'Australie, le pays des kangourous et des poches. Sayonara. Mexique, les sons les courbites, mais Simpson est plus gros que moi, c'est pour qui? Partez là! Coco, qu'est-ce que c'est que ça? Mucho gusto! Je suis vraiment un mort! Ici, officier obèse. Aïe, 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 les parents bichons. Aïe, aïe, aïe. Que le pouvoir de la grande bouffe soit avec moi. Aïe, mucho bobo. Je passe. Je mangerai tes restes. Courir la ligne. Les bracelets commencent à me serrer les poignets. Attention, je suis armé. Merci. Ah mais on a pas encore. Attends, digérer. Génial. Oh, t'es dans mon espace personnel. Un peu de silence pour le super taco. Oh yeah. Des bretzels. L'Allemagne, c'est le pays de Papa Schulz. Les vainqueurs d'abord. Voir en enfer. Ça va chauffer. La France, qu'est-ce qui fait le plus? Son fromage ou ses habitants? Ah!
piquante. Je les dois à fou les assiettes. Si vous continuez, je vous envoie Metallica. Oh yeah! Duff Man vient de se rendre compte qu'il a oublié ses lunettes de soleil dans le garage! Homer est plus énorme qu'un concert de CDC. Mange la meilleure vengeance! Cursique! Ça donne faim, le hard rock! J'ai l'air manger. Tant que j'adore jouer du heavy metal. Ça donne faim le hard rock. J'adore manger autant que j'adore jouer du heavy metal. Andale, andale. Ça donne faim le hard rock. Hey mec, tu m'as coupé mon solo. C'est un moment de poivrerie insoutenable! Mucho gusto! C'est moi! Oh, pardon! Ay, Dios mío! Mais ils ont des petites boulettes de viande! Duffman voudrait en profiter pour remercier Dieu pour tous les talents qu'il a conférés à Duffman et à la famille de Duffman. À mon tour. Que l'autre. De l'air. Les vainqueurs. Bravo. Des nudels. C'est pas ça. Allons-y. Derrière la ligne. Attention, pardon, chaud devant. Aujourd'hui gagnera un célèbre soin pédicure de Duffman. Que j'ai jamais vu un truc aussi beau. Les États-Unis, aime-les ou mange-les. La statue de la liberté a pris un sacré coup. Chocolat.
merci, Homer Simpson. Je suis un vrai champion, vous allez voir. Je fais un bad trip. J'aime presque autant manger que taper. C'est impossible de se battre avec le ventre vide. Je vais faire éclater. Si vous continuez, je vous envoie Metallica. Je n'ai pas de crosse à un CM2 de 80 kilos. C'est le meilleur rock. Le père de Bart est énorme. Que le pouvoir de la grande bouffe soit avec moi. Prosternez-vous devant un grand monstre du rock. Laissez Otto faire son solo. Je vais vous battre aussi vite que mon bus roule. J'adore manger, j'adore jouer du heavy metal. Homer est plus énorme qu'un concert de CDC. Ça donne fin le hard rock. J'adore jouer du heavy metal. Que le pouvoir de la grande bouffe soit avec moi. Je suis un vrai champion, vous allez voir. Laissez Otto faire son solo. Si vous continuez, je vous envoie Metallica. Ça donne fin, les hard rock. Metallica. Ouais, Homer est énorme et je dois encore halluciner. Que le pouvoir de la grande bouffe soit avec moi. Tu t'y connais en rock, gros ringard. Tu vas perdre. Je vais vous battre aussi vite que mon bus roule. Homer est plus énorme qu'un concert de CDC. J'adore manger autant que j'adore jouer du heavy metal. Que le pouvoir de la grande bouffe soit avec moi. Oh merde, t'as réussi! Oups! Ah, c'était ma main! N'empêche que t'as été très bon. Homer Duffman est heureux de vous déclarer vainqueur du concours de bouffe suprême! Oh yeah! Pour vous remettre la ceinture de champion Red Barclay, voici le vainqueur de l'année dernière! Il faudra juste l'ajuster un peu! Akira, comment t'as fait pour gagner, tu tout petit? La technique! Et maintenant, les perdants vont tout nettoyer! Oh yeah! Bande de dégénérés! Vous avez tout gâché! Allez au diable! Allez tous au diable! Et moins de blabla et plus de serviettes! C'est génial! Tu les as eus comment? Manuel. Ce manuel présente des implications métaphysiques étonnantes. Nous devons le remettre aux autorités compétentes. On pourrait faire ça, mais ça te dirait pas de découvrir tes pouvoirs à toi, d'abord? J'ai des pouvoirs? Waouh! Avec ces nouvelles capacités, je peux servir la justice sociale! Oh non, on pourrait pas passer ce niveau! Allez, on va rigoler! Tu vas pouvoir taper plein de méchants!
S'il y a du grabuge... Alors nous allons raser toutes les forêts de Springfield et chaque arbre coupé sera transformé en cure-dent de luxe. Super idée, Monsieur Burns. Juste une petite question. Ça ne risque pas de créer, disons, une catastrophe écologique? On ne fait pas une omelette sans saccager un peu la planète. Bien dit, monsieur. Bien dit. Écrasez-les! Je suis trop fier pour supporter ça! Passez la vitesse supérieure, loyaux travailleurs! C'est rien de tout, sauf de ça! Et ma belle retraite, alors! C'est trop humiliant! Manque physique! Attention! Saleté d'écologiste! Dieu que ça fait mal! Je déteste avoir mal comme ça! Chopez-les! La compagnie est votre amie. C'est la faute des libéraux. De quelques bureaux. Mon usine fonctionne parfaitement bien. C'est rien de tout, sauf de ça. Mais les écolos n'ont rien compris. Couper des arbres, ça fait du bien. Vous êtes des idiots. Je déteste avoir mal comme ça. J'aime pas mon bon physique. Attention. Ok. Réfléchissez-moi. Travaillez plus. Que la tranquillité soit avec vous. Un travailleur occupé est un travailleur heureux. Les éco-activistes doivent embrasser les éco-activistes. Comment ? Vous voulez travailler le jour de Noël ? Très bien, accordé. Nous ne tuerons pas seulement des arbres. Secte qui ? Des éco-activistes car on écho derrière. Oui ! Des racines. Et toute la terre, voilà ce qu'on va faire. Réfléchissez-moi, travaillez plus. Mais les écolos n'ont rien compris. Couper des arbres, ça fait du bien. Ils sont là. Notre usine est superbe aujourd'hui. Vous voulez travailler le jour de Noël? Très bien, accordé. Amis des animaux. Tiens, je retourne dans la forêt. Qu'est-ce que ça intéresse? À mon tour. Grandis et fleuris. Mon usine fonctionne parfaitement bien. Vous rendez votre patron très en colère. L'application au travail de ces hommes m'impressionne. Je vous ordonne d'adorer Monsieur Burns, je veux dire votre mystérieux leader. Un travailleur occupé est un travailleur heureux. Un travailleur occupé est un travailleur heureux. Comment ? Vous voulez travailler le jour de Noël ? Très bien, accordé. Vous rendez votre patron très en colère. Ouh.
dépasser la vitesse supérieure, loyaux travailleurs. Un travailleur occupé est un travailleur heureux. Réfléchissez-moi, travaillez plus. La petite est merveille. Voilà Linda. La compagnie est votre amie. Partez là. C'est une journée pleine de surprises. Notre usine est superbe aujourd'hui. Comment ? Vous voulez travailler le jour de Noël ? Très bien, accordé. Je vous ordonne d'adorer Monsieur Burns, je veux dire, votre mystérieux leader. Ah, mon usine fonctionne parfaitement bien. Vous savez, se battre, c'est un peu comme danser. Passez la vitesse supérieure, loyaux travailleurs. La compagnie est votre amie. Le travail est un privilège, pas un droit. Une application au travail de ces hommes impressionne. Ah, mon usine fonctionne parfaitement bien. Réfléchissez-moi, travaillez plus. Un travailleur occupé est un travailleur heureux. Est superbe aujourd'hui. Comment ? Vous voulez travailler le jour de Noël ? Très bien, accordé. Réfléchissez-moi, travaillez plus. Je vous ordonne d'adorer Monsieur Burns, je veux dire, votre mystérieux leader. Passez la vitesse supérieure, loyaux travailleurs. Allons-y. Soit avec vous.
brillante sœur a tracé le chemin pour son stupide frère. Waouh, j'adore le chant de la forêt. Non, on dit un bio-violacé. Oh mon Dieu, on dit une tronçonneuse. Ah non, c'est une tronçonneuse. Hé, Carl, pourquoi on se dispute autant? Parfois, je crois que c'est parce que c'est tout ce qui nous reste.